Après un an et demi de pandémie, un des effets secondaires positifs de la Covid, c'est d'avoir fait naître chez les Grolandais des vocations médicales. La qualité de la formation continue, offerte par les débats sur les chaînes de télé et par les cours du soir dispensés sur les réseaux sociaux, a permis l'émergence de nouveaux métiers dans nos villes et nos villages, où se sont multipliés les bouchers virologues, les cafetiers épidémiologistes et autres garagistes microbiologistes capables de tout vous expliquer sur comment il faut gérer la Covid mieux que ces grenouilles de médecins à la solde du pouvoir. En attendant bien sûr la Coupe du Monde de football 2022, qui verra le retour des coiffeurs sélectionneurs d'équipe nationale, et des boulangers arbitres qui nous manquent tant.